Aujourd'hui, on est là avec une revendication principale et prioritaire, c'est l'arrêt de la gestion de l'exploitation par Keolis. En fait, on souhaiterait, et puis c'est un appel aussi à l'agglomération chambérienne, on souhaiterait avoir un mode de gestion direct, ce qui permettrait d'avoir un gain financier qui s'élève, selon nos calculs avec les experts, qui peut s'élever entre 800 000 et 1 million d'euros, 200 000 par an. Voilà. Donc, et on souhaiterait qu'avec cet argent, on puisse l'utiliser pour les usagers dans l'amélioration du service, dans pourquoi pas baisser le tarif de titre de transport et également pour les salariés de l'entreprise en améliorant les conditions de travail. Voilà, c'est des conditions qu'on perd depuis 4 ans, depuis l'arrivée de Keolis, au fur et à mesure. C'est la productivité qui s'accumule et qui nous fatigue au quotidien. Aujourd'hui, sans déconnant, pour être véridique, on a 70% des bus qui sortent avec des voyants orange. La plupart, c'est sur les freins. On n'est plus en capacité de réparer les plaquettes des freins. Pour nous, les conducteurs, c'est dangereux et on met en danger les usagers qui montent dans les bus. Il y a deux choses. Il y a le fait que le matériel, il est vieillissant, mais 10 ans de moyenne d'âge pour notre parc, c'est quand même pas mal si on compare au niveau national. Mais nous, ce qu'on reproche à la direction de Keolis, c'est de ne pas réparer et entretenir les bus en temps réel. Donc ça nous met en difficulté et en danger. On roule systématiquement avec des voyants orange qui passent plus souvent au rouge qu'avant. Et on a peur parce que c'est des systèmes de freinage qui sont en jeu et des problèmes au niveau aussi du poste de conduite. Donc je ne voudrais pas inquiéter les salariés, mais on a des véhicules des fois qui sont dans un état déplorable. Il nous est arrivé quelquefois de refuser pour des questions de sécurité de prendre des bus qui n'étaient pas assez entretenus. Dans ces cas-là, c'est une menace de la part de la direction d'aller au licenciement parce qu'on ne veut pas répondre à des ordres directs de la hiérarchie. Non, aujourd'hui, les discussions ne sont pas en cours puisque la difficulté, c'est d'être en train de discuter sous pression comme ça. Moi, je n'ai pas l'habitude de discuter sous pression. Le dépôt aurait été pas bloqué peut-être. Si le dépôt n'avait pas été bloqué, peut-être qu'on aurait réagi différemment. Aujourd'hui, avec ce blocage du dépôt qui devient une habitude lors d'un mouvement de grève ici, ce n'est pas possible de discuter, de négocier dans ces conditions. Il faut simplement que ce soit fait dans un registre de compromis et pas simplement en disant il faut que la direction fasse ça et voilà. Donc moi, il y a un moment où, encore une fois, quand on va discuter d'un certain nombre de choses, on a apporté, nous, un certain nombre de réponses à leurs éléments de revendication. Et en fait, entre le moment où ils ont posé ces revendications et le moment où ils ont fait le préavis de grève, ils n'ont pas bougé une ligne de leurs revendications, alors même qu'on avait apporté un certain nombre d'éléments de réponse à ça. Donc il y a un moment, il faut aussi que chacun, et notamment le syndicat qui a déposé ce préavis de grève et qui aujourd'hui appelle à la grève, comprenne qu'on ne peut pas simplement répondre oui à tout ce qu'ils demandent.